بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 58 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences mat, l'année scolaire 2022-2023. En posant t est égal à 2x plus 1, calculez l'intégrale i qui est égale à l'intégrale de moins 3 à 2 de moins 3 demi à 3 demi de dx sur 4x au carré plus 4x plus 5. Réponse. On commence par le calcul de i. Calculons i avec i, c'est l'intégrale de moins 3 sur 2 à 3 sur 2 de dx sur 4x au carré plus 4x plus 5. On pose t est égal à 2x plus 1. Donc je vais commencer par écrire dx en fonction de t et dt. Donc dt sur dx est égal à 2. La dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Ceci implique que dx est égal à 1 demi dt. Maintenant, je prends le dénominateur qui est 4x au carré plus 4x plus 5 et je vais l'écrire en fonction de t. Et on a 4x au carré plus 4x plus 5 est égal. Vous voyez ici, t est égal à 2x plus 1. Ceci équivaut à x est égal à t moins 1 sur 2. Donc je vais remplacer x par t moins 1 sur 2. Donc 4 fois t moins 1 sur 2, le tout au carré, plus 4 fois t moins 1 sur 2, plus 5. Ceci est égal à 4 fois t carré moins 2t plus 1 sur 4. Oui, je réduis par 4. Pour l'autre, je vais réduire par 2. Ça donne 2t moins 2 plus 5. Ceci est égal t carré moins 2t plus 1 plus 2t moins 2 plus 5, c'est plus 3. Moins 2t plus 2t, c'est 0. Donc ça donne t carré plus 4. Comme vous voyez, j'ai écrit 4x au carré plus 4x plus 5 en fonction de t. Maintenant, on va passer aux bornes. Double la borne inf, puis la borne sup. Pour x est égal à moins 3 demi, on a t qui est égal à 2x plus 1, c'est 2, fois moins 3 demi, plus 1. T est égal à moins 2. Et pour x est égal à 3 demi, on a t est égal à 2 fois 3 demi plus 1. Et je réduis par 2, ça donne 3 plus 1, c'est 4. Maintenant, je peux passer à mon intégrale i. Je vais effectuer le changement. Donc, i, c'est l'intégrale de moins 3 demi lorsque x est égal à moins 3 demi, t est égal à moins 2. Lorsque x est égal à 3 demi, t est égal à 4. Dx, c'est 1 demi dt. Sur t carré plus 4. Ceci équivaut à
x égale l'intégrale de moins 2 à 4 de 1 demi dt sur, je peux factoriser par 4 ça, donc 4 facteur 2 t carré sur 4 plus 1. Ceci est équivaut à i, et je vais faire sortir un quart à l'extérieur, un quart fois l'intégrale de moins 2 à 4 de 1 demi sur t sur 2 le tout au carré plus 1 dt. Maintenant, si vous regardez bien ce rapport qui est 1 demi sur t sur 2 le tout au carré plus 1, il va nous rappeler quelque chose que nous connaissons déjà. Vous savez bien que si je prends arc tangente x et je le dérive, ça donne 1 sur 1 plus x au carré, ou bien 1 sur x au carré plus 1. C'est la même chose. Si j'ai, au lieu de x, j'ai u de x, et je cherche cette dérivée, la dérivée de l'arc tangente de u de x, ça donne u prime de x sur u de u carré de x plus 1. C'est exactement le cas que j'ai ici dans notre exemple. 1 demi sur t sur 2 le tout au carré plus 1 peut s'écrire comme t sur 2 le tout prime sur t sur 2 le tout au carré plus 1. Et ceci n'est que la dérivée de l'arc tangente de t sur 2. Donc je vais l'écrire ici. Donc ceci est équivaut à i est égal à 1 quart fois l'intégrale de moins 2 à 4 de 1 demi t le tout prime sur t sur 2 le tout au carré plus 1 dt. Ceci est égal entre crochets, donc je vais écrire d'abord 1 quart fois entre crochets arc tangente de t sur 2, ceci pris entre moins 2 et 4. Ceci équivaut à i est égal arc tangente 1 quart facteur 2 arc tangente de 4 sur 2 c'est 2 moins arc tangente de moins 2 sur 2, c'est moins 1. La fonction arc tangente est impaire, donc je peux faire sortir le moins à l'extérieur. Ça donne 1 sur 4, facteur de l'arc tangente de 2, plus l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Et maintenant, on va utiliser notre calculatrice pour savoir quoi est égal 1 sur 4 arc tangent, facteur de 1 arc tangente 2 plus pi sur 4. Puis comparer le résultat avec celui qu'on va trouver dans GeoGebra. Comme vous voyez ici, le résultat de 1 sur 4 facteur de arc tangente 2 plus pi sur 4, c'est 0,47. Comme vous voyez ici, l'intégrale de moins 3 sur 2 à 3 sur 2 de 1 sur 4x au carré plus 4x plus 5 dx est égale 0,47. Donc le compte est bon. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. A très bientôt.